universités, instituts supérieurs et centres de recherche pour des contacts permanents sur le net. Lesquels contacts aboutiront, nous en sommes sûrs, à d'autres invitations et surtout à la signature des partenariats qui restera définitivement comme un cordon ombilical entre vos institutions et l'Université Simon Kimbangu. Encore une fois, chers conférenciers, nous vous disons au revoir et bon retour chez vous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la conférence internationale sur Simon Kimbangu, que vive l'église kimbanguiste, que vive l'université Simon Kimbangu. Je vous remercie. Merci. C'est facile. Merci, monsieur le recteur. À présent, après presque une semaine de durs travaux, de discussions, nous allons enfin écouter la lecture du rapport général, les résolutions et recommandations de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi nous invitons le professeur qui se lève pour venir nous lire le rapport général, les résolutions et les recommandations de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Sika e kominga la lolenge sala makana matete. Il s'agit du professeur Botela. Ba koitanga mai e kangami na kati ya lisanga lieto makita mai maleka ki awa o kati ya stade ke Kimbangu se ya Kasa Vubu de Kofredi. Ndi Mwisho inyo baliwa cha kufunga pale mashiku Monsieur le vice-premier ministre, représentant personnel du chef de l'État. Papa Simon Kimbangu tufuate. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, monsieur le ministre et vice-premier ministre et vice-ministre, monsieur le chef des missions diplomatiques, distingués invités, à vos grades et titres confondus, avec votre permission, je m'en vais vous lire le rapport général de ces 4 jours de conférence internationale sur Simon Kimbangu. La conférence internationale sur Simon Kimbangu que nous clôturons ce jour aura été ce moment tant attendu par les kimbanguistes et la communauté scientifique mondiale. En dépit d'atermoiements conjoncturels et d'un cheminement ponctué d'incertitudes, ces moments prophétisés s'est déroulé du 24 au 28 juillet 2011. Il aura été le couronnement de tant d'efforts et de beaucoup d'abnégation, non seulement des scientifiques, mais aussi et surtout du peuple des fidèles, que dis-je, du petit peuple des fidèles, qui, inlassablement, s'est fait violence, aussi bien matériellement que moralement. Ce moment, c'est aussi la disponibilité et des dispositions hautement positives rencontré auprès de la hiérarchie de l'église kimbanguiste et particulièrement auprès de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. De par les personnalités scientifiques présentes, cette conférence aura permis les retrouvailles des communautés afro-descendantes disséminées à travers les 5 continents et d'autres chercheurs étrangers venus d'Europe et des Amériques. En effet, les présentes assises ont vu converger au centre kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kinshasa une 65 de communications de chercheurs auxquels il faut ajouter 4 invités spéciaux qui sont venus faire des conférences plénières. Et à la fin, une table ronde qui a réuni des chercheurs. Cette table ronde était consacrée à la conservation et à la gestion des archives et de la mémoire sur Simon Kimbangu et le kimbanguisme. Autant de chercheurs sont venus d'Europe, des Amériques, des États-Unis, Brésil, Chili, Honduras, les Antilles. Cette présence montre à quel point tout le monde tient à minimiser cette ignorance qui a prévalu entre Afro-Américains et Africains. Le professeur Sheila Walker a longuement parlé de ces gaps dans son interpellation intitulée « Afro-Américains et Africains, quel passé, quelle mémoire, quel avenir ?»
Durant 4 jours, les chercheurs ont planché sur un homme illustre, apparemment connu des noms, mais concrètement peu ancré dans la mémoire collective. Les uns et les autres ont livré les différentes facettes du prophète. Le thème de la conférence Simon Kimbangu 1887-1951, son œuvre, sa contribution au processus de la libération de l'homme noir, illustre bien l'intérêt de ces grands tomes engagés. Rappelons-nous ce que le président de la conférence, le professeur Elikia, avait dit le premier jour. Sa conférence inaugurale nous a rappelé certaines données que nous nous permettons de vous rappeler ici. Simon Kimbangu et le kimbanguisme, c'est d'abord une histoire vraie, une histoire des historiens, si l'on peut dire, une histoire aux repères clairement établis. Le kimbanguisme, c'est également une géographie aux contours sans cesse plus larges. On peut y suivre le chemin de la prédication, les sites des apparitions et des miracles, les routes de la déportation, les sentiers de pèlerinage, les voies de l'exil, les réseaux nationaux et internationaux des migrations forcées ou volontaires. Le kimbanguisme, c'est encore un univers social d'une très grande complexité. On y raconte très clairement des lignées stables et des langues et très longues des fidèles. Le kimbanguisme, c'est aussi bien sûr une foi. Ce sont des croyances qui se donnent à voir dans des pratiques rituelles particulières. Ces pratiques sont à leur tour adossées à une créativité artistique unanimement admirée en Afrique centrale et à travers le monde, et qui s'exprime à travers une longue série de cantiques sans cesse renouvelées depuis près de 100 ans à travers des ensembles musicaux, les compositeurs, les instrumentistes, les chefs d'orchestre, les artistes et virtuoses individuels parmi lesquels Simon Kimbangu lui-même, le premier flûtiste de son église. Les kimbanguisme, ce sont bien sûr des principes, des valeurs individuelles et collectives. C'est plus qu'une de ces morales abstraites faites d'obligations et de recommandations, trop souvent voilées, violées par les fidèles et les prédicateurs eux-mêmes. Et avec cela, la discipline rigoureuse, l'efficacité imparable des réseaux, le rendement de bouche à oreille, cette espèce de vigilance et d'éveil permanent, ces devoirs scrupuleux d'obéissance associés à l'obligation d'initiative, toutes choses héritées sans doute d'une très longue pratique de la clandestinité. Le professeur Théophile Obenga a, dans sa conférence que nous avons suivie sur la problématique de l'émancipation de l'homme noir, évoqué avec justesse le rôle de cette figure emblématique qu'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui a su transcender la dimension ethnique en imposant une rupture radicale avec les forces organisées. Tenant à dépasser un certain complexe, il a inséré Simon Kimbangu parmi les grands hommes, c'est-à-dire parmi les précurseurs et porteurs d'idées novatrices. Cet homme a laissé une empreinte indélébile en créant le mouvement kimbanguiste devenu aujourd'hui un champ de recherche pour des historiens, les politologues, les sociologues, les anthropologues, les juristes, les journalistes et les théologiens. Cet intérêt a engendré de nombreux travaux de valeurs inégales pour lesquels des hypothèses les plus audacieuses ont été avancées dans la perspective d'analyser notamment son fondement historique, sa particularité et originalité par rapport aux autres églises chrétiennes et messianiques, sa dimension politique dans le contexte colonial et postcolonial. Vous êtes sans ignorer que le mouvement kimbanguiste et l'église kimbanguiste ont fait l'objet de plusieurs thèses de doctorat défendues à travers le monde. Des recherches très fouillées sont en cours de préparation à travers le monde aussi sur le kimbanguisme. L'église kimbanguiste, c'est aussi une série de dates historiques. 1921 constitue l'année de son arrestation et sa déportation au Katanga, où il trouva la mort en 1951. Cette église persécutée, à ses débuts, a été reconnue le 24 décembre 1959 par le pouvoir colonial. L'année dernière, l'église a commémoré les 50 ans de cet événement historique. Condamné à mort, peine commuée à perpétuité par le pouvoir colonial, Simon Kimbangu a été considéré toujours sous le coup de cette sentence unique et injuste. L'église kimbanguiste n'a cessé de réclamer la révision de ses procès. Ce vœu a trouvé une issue le 22 juillet 2011, à la suite du jugement rendu par la Haute Cour militaire de justice de Kinshasa. La condamnation a été levée après 9 décennies
D'ailleurs, cela a servi de prétexte à l'intervention inaugurale du professeur Périclès Luzolo Bambi, ministre de la Justice, qui a parcouru le procès de Simon Kimango de la condamnation à la révision 221-2011. Il a été suivi de la conférence du professeur Jean-Pierre Dozon sur les figures, fonctions et usages des prophètes en Afrique, lecture d'un anthropologue. L'intérêt pour l'église kimanguiste et sur Simon Kimango demeure patent. Les églises de Kinshasa ont reçu une soixantaine de communications. Les assises de Kinshasa ont reçu une soixantaine de communications auxquelles il faut ajouter quatre conférences plénières et une table ronde sur la conservation et la gestion des archives et de la mémoire de Simon Kimango et le kimanguisme. Les organisateurs de la conférence ont réglé le déroulement des assises en six panels. Premier panel, Simon Kimango et le kimanguisme dans les sciences sociales et les mémoires. Le kimanguisme de la persécution à la reconnaissance officielle. Troisièmement, le vécu et la perception du kimanguisme en Afrique centrale. Quatrièmement, le kimanguisme dynamique sociale, culturelle, cultuelle et économique. Cinquièmement, Simon Kimango et les prophètes de la libération, approche comparée. Et enfin, kimanguisme et les diasporas africaines. D'intenses et riches échanges ont été enregistrés dans chaque panel. Nous vous livrons ci-dessus les principales idées qui en ressortent. Du panel 1 sur Simon Kimango et le kimanguisme dans les sciences sociales et les mémoires, on peut dégager deux lignes de force, ou du moins deux types d'approches générales de Kimango et de kimanguisme. D'une part, des approches historiques ou d'anthropologie historique sur l'émergence de Kimango. D'autre part, des approches de Kimango relatives à la mémoire qu'il véhicule, à l'imaginaire qu'il suscite et au patrimoine congolais, panafricain et universel qu'il représente. Toutes les interventions ont répondu à ces préoccupations. Les intervenants du panel 2 ont examiné une étape sensible de l'évolution du kimanguisme, à savoir la période allant de la persécution à la reconnaissance officielle. Les fidèles kimanguistes ont, à la suite du prophète, subi des relégations, arrestations et autres tortures. En dépit de cette répression et d'une vie de clandestinité, le kimanguisme s'est répandu et pris de l'ampleur. La sûreté coloniale n'a pas réussi à endiguer sa diffusion. La prison, bien au contraire, a largement contribué à sa célébrité. Le panel 3 sur le vécu et la perception du kimanguisme en Afrique centrale a permis de mettre en exergue les différentes facettes de la prophétesse Donna Beatrice Kimpavita, des figures illustres comme celle de Samuel Matuba, un foyer de diffusion Minzulu Miranda, le rayonnement du kimanguisme dans les pays Congo en Angola, un regard sur les écoles kimanguistes dans le Nord Kivu, Simon Kimango dans la mémoire populaire de Lubumbashi et du Lualaba, un coup d'œil sur le prophète Simon Kimango et le continuateur dans la perspective de la permanence d'une résistance à l'aliénation mentale. Le panel 4, consacré aux dynamiques sociales, culturelles, cultuelles et économiques, a notamment relevé que la mort physique de Simon Kimango n'a pas épuisé sa pensée, que la trilogie kimanguiste Bolingo, Mibeko, Misala n'est pas un vain slogan, mais des piliers sur lesquels reposent toutes les réalisations kimanguistes, une praxis qui transforme l'homme et le monde. Ainsi, l'Église doit, au-delà de sa mission spirituelle, s'ouvrir à la société pour donner à la société et recevoir de la société. L'autoprise en charge constitue un héritage spirituel de Simon Kimango pour le développement de l'Église et de son environnement. Le message de Simon Kimango marque une rupture avec les églises chrétiennes occidentales et instaure une nouvelle éthique par rapport au développement. Les œuvres de développement réalisées par l'Église kimanguiste sont le fruit de la conjugaison de l'éthique des convictions et de l'éthique des responsabilités. Le message kimanguiste est d'ordre ontologique et il vise à transformer les idées, les valeurs et les comportements afin de générer des changements profonds. Kamba se développe comme toutes les villes saintes, combinant les dimensions spirituelles et urbanistiques. L'aspect du développement scientifique et matériel basé sur l'écriture Mandombe a été révélé. Le soutien et la vulgarisation de cette écriture dans l'enseignement national ont été souhaités. Un effort de sa mise en forme numérique de l'écriture a été enregistré aussi. Le panel 5 a réuni 14 participants qui ont, pendant deux jours, réfléchi et débattu de la fécondité d'une approche comparative en sciences sociales entre Simon Kimango et les prophètes de la libération. Et ce panel a passé en revue les églises pentecôtistes comparées au kimanguisme dans une analyse des médias audiovisuels, le tokoïsme, la tradition Kosa,
le mouridisme comparé au kumbanguisme, Marcus Garvey, le harisme et la religion, Deima, l'islam, Frank Dolcino, Frank Chikane, mouvement prophétique d'Afrique centrale dans les diasporas, le caractère spirituel de Bob Marley, Simon Kimbangu, les noms de Simon Kimbangu, et enfin les Kitawala. Le dernier panel s'est intéressé au kumbanguisme et à ses diasporas à travers le monde. Un exercice de similitude entre le kumbanguisme et le mouridisme au Sénégal a été réalisé. Il a été noté que les mêmes principes de travail et de vénération caractérisent ces deux mouvements. La réélégation et ou la mort en exil forcé de Simon Kimbangu et de Cheikh Amadou Bamba. La solidarité, l'attachement de la terre à la terre sainte, Touba pour le mouridisme et Nkamba pour le kumbanguisme. Curieusement, alors que Touba devient la deuxième ville du Sénégal après Dakar, la cité de Kamba connaît un développement économique moindre, faute d'insertion de sa diaspora dans les milieux d'accueil, tel est le cas de la diaspora au Canada. Une étude exploratoire de l'expérience kimbanguiste et les enseignements pour les églises historiques du Congo-Brazzaville et du Congo Kinshasa se sont focalisés sur l'éthique protestante et le développement de l'esprit d'entreprise. Une autre filiation idéale a été établie entre Marcus Garvey et Moussia Garvey, les messie noirs d'origine jamaïcaine et le prophète Simon Kimbangu. Depuis le 15e siècle, il y a un sillon de la lutte politico-culturelle des Afro-Brésiliens au travers de la pratique culturelle qualifiée de syncrétisme, mais plutôt au travers d'un système d'approximation et de juxtaposition qui n'a pas empêché les manifestations identitaires entre les religions d'origine africaine et les religions chrétiennes. Simon Kimbangu, géopoliticien, qui l'aurait cru, des exposés ont fait une lecture du kimbanguisme à la lumière de l'histoire des relations internationales et examiné le rôle de Simon Kimbangu dans les relations internationales de la RDC. Ces deux communications ont conféré au kumbanguisme les statuts d'acteur des relations internationales, les différenciants des sujets des relations internationales. D'autres communications ont tenté d'établir une passerelle entre les relations internationales et les religions d'Afrique subsaharienne et des Amériques hispaniques. Elles ont reconnu que l'oubli des Africains dans les Amériques hispaniques constitue une grave erreur de l'histoire. Il faudra tenir compte des trois temps. Les temps des périphéries associées, l'Afrique produit des esclaves et des Amériques réceptrices de la réceptrice de la main-d'œuvre servile, les temps d'isolement de l'Amérique et de l'Afrique, les débuts de la décolonisation et la fin de l'esclavage. Comme vous venez de le constater, cette conférence internationale a donné l'opportunité d'évoquer l'importance de la mémoire dans le développement de l'Église kimbanguiste. D'aucuns ne sauraient oublier que toute société humaine possède ses lieux et moments de mémoire qu'elle construit, façonne et renouvelle en fonction des défis existentiels et des enjeux du passé présent. Ces lieux et moments sont des représentations et des références collectives dont l'invention s'inscrit dans un processus non seulement de recherche, d'appropriation et d'affirmation d'identité, mais également de revendication de légitimité. Les différentes communications se sont efforcées de mener ces devoirs de mémoire et ont tiré des recommandations susceptibles de donner à l'Église kimbanguiste un nouveau départ. Devoirs de mémoire obligent. À la lumière de la conférence internationale sur Papa Kimbangu de 2006, les conférenciers se sont proposés de reprendre pour rappel certaines des recommandations pour les inscrire à celles de la présente conférence. Il a été convenu de, première recommandation, encourager le kimbanguisme à réinstaurer et à consolider l'unité de l'Église. 2. Créer un centre de documentation sur le kimbanguisme basé à Kamba. 3. Faire de la date du 6 avril, début du ministère de Papa Simon Kimbangu, une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 4. Accorder un statut particulier à la cité de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, de manière à rehausser davantage sa valeur historique. 5. Donner l'immunité au chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. 6. Inaugurer à Kinshasa
au cœur de la capitale de la RDC, une statue en l'honneur de Simon Kimango, le percusseur du nationalisme congolais. Sept, récupérer et protéger les sites historiques de l'église kimangiste, ses concessions, ses domaines et ses diverses installations, notamment celles qui sont spoliées. Huit, introduire l'histoire de Papa Simo Kimango et de Kimpanvita, Donna Béatrice, dans les manuels d'histoire de l'enseignement général en RDC, de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur universitaire en RDC, au Congo et en Angola. 9. Promouvoir le développement de l'université Simon Kimango en lui donnant des moyens financiers conséquents afin d'être compétitive sur le plan de la recherche. 10. Mettre en place un organe chargé de valider toute publication touchant au champ de la doctrine de l'Église kimangiste. 11. Former avec rigueur les scientifiques propres à l'Église dans le domaine des sciences sociales, politiques et économiques. 12. Développer et consolider les recherches scientifiques à travers les réseaux de chercheurs ayant participé à ces assises. Les conférenciers tiennent, à l'issue de ces recommandations, à remercier les personnalités qui ont largement contribué à la réussite de ces assises. Ils ont pensé en premier lieu au chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, à son éminence Simon Kimango Kyangani. Ils ont insisté pour que on adresse les mêmes remerciements avec appuyé aux fidèles kimanguistes et à l'église tout entière. Et enfin, ils ont réitéré leurs remerciements au Codestria qui a contribué à la réussite aussi de ces assises, le Codestria qui se trouve à Dakar, représenté ici par le professeur Lututala Mpassi. Tels sont les résultats des cogitations menées par les scientifiques réunis pendant 4 jours au centre kimanguiste d'accueil et de conférences à Kinshasa-Kazavubu. Ainsi fait à Kinshasa le 28 juillet 2011. Les rapporteurs, je vous remercie. Nikano tumina mibale mobimba misili bongo kozwa mana likitali eli sangisaki batu na zebi batu na bwanya batu na mayele. Après la lecture du rapport général des résolutions et recommandations de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbango, nous allons sans plus tarder inviter le président du comité d'organisation et du comité scientifique, le professeur Eli Kiambukolo, à bien vouloir venir prendre la parole pour son mot de circonstance. Mon cambia l'équitalie de la Kibongo, mon ami Simonel, l'équipe en beaucoup la cause à Maloba, Kassi, Bande Koubebe. Nos collègues qui ne parlent pas le lingala se feront traduire ce que je dis par leurs voisins ou leurs voisines. Bamama batata bandeko bakonzi bana Congo bana Lingomba Simon Kimbangu lelo lokola mokolo ya yenga elekaki eza mokolo ya esengo esengo aboye na mokolo ya suka soko to kanisi yango biso banso bato mayele bamama mayele lokola tolela. Mikolo nyonso tovani na bino awa, tokomi lokola libota moko. Ndenge tomoni bino, ndenge boyambi biso, ndenge bozo landa makamu tozo loba, tomoni te bino penza, boza bana ya Lingomba ya Simon Kimbango. Lelo pe tomoni, lelo eza mokola mosala, tomoni bino banso ndenge bozali awa, ebele. Toyebite basusu bazangi po bazana misala kasi toyebite pa bazali bazako landa makamu toto sala bako landa ngona sima na radio to na television to na radio to sepeli mingi ndenge boye awa po na mboka na biso ya Congo batu mingi balobaka te biso bato ya mayele toza mosika
toza lokola na ngomba moko to bomba na kuna tolobaka monoko bato bazoyo kate makam na biso chuchu chuku 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 mutaoye bangote bakanisa kapete biso bato mayele na bino to kabwana toza na eloko moko ko sala esika moko te ndenge botondi awa lelo boza kolakisa te bino ba mama ba tata bande kona biso bosala ka mosala mayele te kasi boyebi makambu mosala mayele elingi koloba botondi awa pa boyoka pa botuna biso boyebisa biso toyebi bosala ki mosala kasi bokoka kokende boyete bozongisela biso makambo tolobaki pa makambo bolobaki pa makambo bolobaki pe bosala ki eza ya bino moko te eza ya biso banso mosala biso tosali ndenge boyebi euti na lituna son éminence Simon Kimbangu Kiangani atuna ki biso lituna wana pe ye moko azwaki yango na elaka eutaki epai ya papa Diangenda ye moko pe papa Diangenda yaki autaki azwaki yango na loboko ya papa Simon Kimbangu elaka wana ezalaki na ebisango lisusu pa makambo wana esila mokolo ekoya ba mama ba tata ya mayele bakobima awa na mboka na biso bakouta mosika baza batu na biso te